Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de Richard dans le garage. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo de un petit déballage de rien là. En fait, quand c'était arrivé ici, c'était déjà, il n'y avait pas de plastique, rien qui l'emballait. Mais on va ouvrir ça. C'est un ensemble là. Des serre-boyaux, des hausse clamp en bon français. Là. Un ensemble que je me suis fait venir. Bon. Il y a plusieurs. En fait, il y a 8 dimensions. De 8 à 12 mm, 10 à 16, 13 à 19, 16 à 25, 19, 29, 18, 32, 21, 38, puis 21, 44. C'est pas les plus gros, puis c'est pas les. C'est assez pour se débrouiller. La qualité, évidemment, c'est tous des trucs qui sont faits en Chine. Qualité, ça va être là. Surtout ici en dessous, là. On ne voit pas bien que celui-là. Enfin, lui, en dessous ici, là, c'est. Je pense que ça. Je ne sais pas si on va voir, là. C'est, en tout cas, c'est fait de la bonne façon pour pas justement endommager un boyau. Donc, et voilà, j'ai fait venir ça. J'en ai un semblable que je me suis bâti, que je tiens dans mon véhicule. On ne sait jamais sur la route. Lui, ben, c'est pour être à la maison. Ça sert, je pense que tous ceux qui bricolent le moindrement savent qu'on a toujours besoin de ces petits serre-boyaux-là. Et voilà, c'est tout. Ça vient, c'est tout fait en Chine. Ça vient dans un petit ensemble. J'ai trouvé que le prix était raisonnable. Je me rappelle pas c'est combien, mais le prix, j'ai trouvé qu'il était raisonnable. Donc, c'était le petit ensemble de pour les boyaux. Donc, serre-boyaux, les hausse clamp. Mais j'ai trouvé le terme en français, ça va bien aller. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire, ça me semble correct. C'est pratique, ça prend pas tellement d'espace, puis il y en a quand même 100 dedans. Les plus petits ici, c'est-à-dire ça, il y en a 20. Ça, 15, 10. Il y a même un truc comme ça, là. Mais ça, c'est vraiment histoire de se débrouiller, là. Il y a une espèce de petite tournevis comme ça, c'est pas terrible. Mais bon, ça vient avec, comme on dit, cheval de nez, on garde pas la bride. Et voilà, c'est tout. Fait que j'espère que vous avez aimé. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine.